Attends, attends, attends. Edo. L'heure est grave. Qui a pris ton argent et puis je ne vais pas te donner là. Je vous le montre. Montre-le. Mon frère, on te montre, il faut regarder ici. Attends, il s'appelle comment même? Kone Brahima. Voilà. Attends, Edo, dans quel coup même? Je vous explique. Explique ma puce, explique. À mon retour de Maldives, il y a Marc Le Bosso qui me dit de payer mon billet d'avion pour venir, qui ne pourra pas payer mon billet. Que l'argent qu'il a sur lui là, c'est pour juste prendre ma résidence. Que si je viens, il va me rembourser. Mes amis, mes connaissances, ils m'ont dit de ne pas payer mon billet. Que la personne qui t'envoie, c'est lui qui doit payer. Bon, on a qu'à se dire la vérité. Je ne suis pas d'humeur à faire des collages vidéo avec ce genre de choses là parce que c'est très délicat. Et donc, si elle allait faire sa petite tournée, s'est débrouillée un peu avec ses deux sons, elle est partie tourner un peu. Aujourd'hui, voici le problème qui se pose. Elle allait danser, faire tout ce qu'elle pouvait. Maintenant, pour lui donner son argent, c'est devenu un problème. Le gars avait forcément couché, bien avoir des rapports sexuels avec elle. Elle refuse. Voici ce qui se passe aujourd'hui. Jusqu'à, vous voyez, il a blessé tout ça. Regardez-moi ça. Je vais essayer de m'apporter, mais. Parce que je faisais une vidéo de. Comment un homme normal peut se lever pour porter main à une femme? Un homme pour sortir et toi là c'est forcé. En France là-bas, on m'a dit que c'est un pays de loi et de droit. Je suppose que ce monsieur-là doit pourrir en prison. Parce que c'est pas normal. Les bénis, ils sont là-bas, la matin, ils sont sur nos portables ici. Je suis ici, je suis là, matin, ils appellent, ils sont là, ils font bruit comme ça dans la mouche. Ou bien vont vrrr dans ton oreille. Mais tout ça, là, pour avoir des comportements de malot comme ça, c'est pas normal. Madame la première dame, s'il vous plaît, vous avez vu ça? J'en discute avec mon mari et on voit comment faire au mieux. Ah, en tout cas, parlez bien entre vous, mais celui-là, il doit pourrir en prison. Prison, ce n'est pas pour les animaux. Je suis tellement dépassée, je suis tellement choquée, je suis tellement triste que je n'ai pas. Comment je vais dire, je n'ai pas la force, mais de m'absorber pour dire qu'un montage de je ne peux pas. C'est ce que je pouvais dire pour le moment, là, c'est ce que je peux dire. La prochaine vidéo va suivre. Ce monsieur-là, il doit pourrir en prison. Il joue, il biaise. Je vous remercie.